Madame, monsieur, bonsoir. Toute la journée, dimanche hésitera entre les nuages et le soleil. C'est donc l'alternance des deux qui dessine la carte du ciel de ce dimanche, de ce dernier jour de la semaine. Alternance de passages nuageux et d'éclaircies donc sur la quasi-totalité du pays, mis à part un ciel un petit peu plus voilé sur les reliefs et également sur la façade atlantique de la Vendée jusqu'à l'Aquitaine, avec également des risques d'orage en fin de journée, de remontée orageuse sur les Pyrénées atlantiques. De la Bretagne jusqu'au nord, il pourrait y avoir des pluies éparses, alors que sur le littoral méditerranéen et la Corse, cette journée de dimanche devrait être belle et très ensoleillée. Les températures, elles devraient s'établir le matin à 16 degrés sur la quasi-totalité de la moitié nord du pays et sur la moitié sud, de 16 justement à Dijon et Grenoble, jusqu'à 21 à Nîmes et Nice. Et dimanche après-midi, sur la moitié nord, de 21 à Lille et Brest, jusqu'à 27 à Mulhouse, et sur la moitié sud, de 25 à Dijon, jusqu'à 33 à Nîmes. Quelle journée de dimanche pour l'Europe et l'Afrique du Nord? Ça dépend si vous êtes au nord. Eh bien, comme à Berlin, Genève, Varsovie et Londres, c'est le même temps d'alternance qu'en France, auquel il faut ajouter des pluies à Stockholm et au sud, comme à Naples, Rome et Lisbonne et jusqu'à Rabat. C'est un soleil dominant avec des chaleurs orageuses sur l'Espagne. Dimanche, la météo, ça commence après le journal de 13h que vous présentera Philippe Gassot. Mais en attendant, passez une très bonne nuit. Au revoir.